Amis de la manette et la gâchette, bonjour Celta, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce petit numéro spécial. Comment passer en primitive plus et revenir après, évidemment, sans problème. Est-ce que ça pose des soucis ou pas? Eh bien, on est là pour en parler, justement. Je ne connais pas vraiment primitive plus et je vous avoue que j'ai un petit peu peur de passer, justement, et que ça pose problème, etc. J'ai déjà essayé deux fois. Les deux fois, quand j'ai voulu revenir, ça a planté le jeu. Mais je pense que j'ai une solution pour ça et je vais vous l'expliquer. Donc voilà, on est en primitive plus officiel. Donc comme vous le voyez, ici, pour passer en primitive plus, vous avez le bouton là. Pour revenir, vous avez le bouton known. Ok. Donc, vous lancez une partie sur, par exemple, deux centers. Petite ellipse temporelle. C'est exactement ici que j'ai construit ma base de l'autre côté. Donc, quand je parle de l'autre côté, ça veut dire en center normal. Donc, en gros, vous avez 5 maps. Vous avez 2 center normal, vous avez The Island normal, Scorch Earth, et en plus de ça, quand vous appuyez sur le bouton Primitive Plus, vous avez 2 center Primitive Plus et The Island Primitive Plus. Donc en fait, vous avez 5 sauvegardes différentes. Donc faut pas avoir peur en fait de le faire, ça va pas effacer vos autres sauvegardes. La preuve, je vais vous la montrer après, puisque je vais revenir à cet endroit-ci et il y aura la maison, comme je vous disais, sur mon autre sauvegarde de The Center. Je vais me déco, faire une petite ellipse temporelle. Et donc après avoir déconnecté et fermé le jeu, on relance le jeu, on se remet ici et comme vous le voyez, directement, il est en Known. On se met en partie locale, ou ce qu'on veut, et on récupère évidemment tout. On va retourner sur The Center là où on était et je vais vous montrer que la base est toujours là. Petite ellipse temporelle et nous voilà. Comme vous le voyez, c'est le même endroit. Sauf que dans cette sauvegarde, j'ai ma base. Donc vous pouvez y aller, n'ayez pas peur de passer en Primitive Plus. Ça pose pas de problème par rapport à votre ancienne sauvegarde. Yeah. No soucis. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a aidé aussi. N'hésitez pas évidemment à liker si vous le souhaitez, à commenter, à rejoindre la communauté et Facebook. À bientôt les amis. Ciao ciao.